Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera de la broderie, voilà, ça change un petit peu. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses et en même temps, à la fin de la vidéo, je vais filmer un peu la broderie que je suis en train de faire en ce moment. Et je vais vous poser une question, donc je vais vous la poser tout de suite, ce sera fait. Est-ce que ça vous intéresse, puisque je crois qu'on me l'avait déjà proposé, je crois que certaines personnes m'avaient demandé de le faire. Est-ce que ça vous intéresse que je filme de temps en temps quand je brode, les broderies que je fais. Voilà. Donc, je ne sais plus qui me l'avait demandé, mais je sais qu'on me l'avait demandé plusieurs fois. Donc, j'ai fait un petit extrait aujourd'hui. Bon, je me suis arrangée un peu comme je pouvais. Après, je verrai si ça vous intéresse, je verrai pour faire au mieux. Alors, si ça vous intéresse que je filme quand je brode, dites-le moi. Je le ferai, voilà. Bon, je ferai pas les broderies là, des vidéos de 3 fois par semaine, hein, bien sûr. Je verrai pour en faire peut-être au moins une par semaine. Je verrai comment je ferai, voilà. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des vidéos donc sur la broderie. Alors, d'abord, je vais vous montrer celle que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Voilà. Oups, ah oui, mais dans ce sens-là, ça ne va pas aller. Alors, attendez juste une petite seconde, je reviens. Donc, voilà. J'ai réinstallé mon téléphone pour que vous puissiez voir à l'endroit les broderies. Donc, voilà. Ça, c'est une que je viens de terminer. Donc, c'est Lily Point, la compote de pommes à la vanille. Donc, voilà. Elle est finie. Bon, elle sera encadrée. Hein. On verra ça quand, je ne sais pas quand. Donc après j'ai pas voulu en recommencer une nouvelle tout de suite. Ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre une que j'avais commencé il y a 4 ans. Alors, je vous la montre. C'est une Lily Point également. Voilà. C'est sur le thé. Mais là, je vais la remettre de côté parce que j'ai des erreurs dedans. Alors, j'ai une erreur là. J'ai une erreur ici. Donc, j'avais une erreur là. Donc, j'arrivais pas à écrire le T en entier. Donc là, j'ai réussi. Mais maintenant, le T part dans le signe chinois ou japonais. La fleur ici, bon, elle n'est pas finie, hein, mais justement, normalement, elle devrait se broder entière et il y a une feuille qui part là, alors qu'elle ne devrait pas être là. Donc, pour l'instant,
je vais remettre de côté cette broderie. Quand j'aurai le courage, soit je vais démonter ce qui n'est pas bon, ou soit je referai en entier la broderie sur une autre toile, je verrai. Voilà. Donc, en attendant, parce que là, j'aimerais bien avoir, je vous montrerai la nouvelle grille de Lily Point sur la pâtisserie. Je vous montre la photo. Oui, elle est super belle. Donc, mais là, bon, pour l'instant, je ne peux pas la prendre. Donc, je vais attendre. Donc, pour l'instant, je suis en train de finir une broderie que j'avais commencé également l'année dernière. Voilà. Isabelle Vautier, celui-là. Donc, depuis, j'ai repris depuis hier. Et là, le petit personnage, là, n'était pas fait. Hein. Donc, ça, j'ai fait ça depuis hier, le petit personnage. Voilà. Donc là, il est fait en deux couleurs. Donc, la couleur 3790 et la couleur 720. Voilà. Hop. Voilà, ces deux couleurs-là. Donc, en attendant de pouvoir me prendre, du coup, la grille de la pâtisserie, j'ai encore un peu de toile, donc ça va, mais bon, il me fera aussi les fils. Donc, c'est pour ça que j'attends encore un peu. Donc, voilà où j'en suis sur les broderies. Bon, j'en ai une à finir aussi sur les macarons. Je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. C'est celle-ci. Alors, elle est là. Donc, celle-là, hein, les macarons. Oui, je me pique. Donc, je dois terminer aussi celle-là, vous voyez? Mais bon, ça finirait aussi, je verrai quand. Je vais d'abord finir la beauté, et après on verra pour celle-là. Donc voilà, donc là, juste après, je vais vous mettre, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a un petit 10 minutes, même pas, mais je vais voir si je vous le mets en petit rapide ou pas, quand je suis en train de broder. Donc celle-ci, voilà, et donc si ça vous intéresse que je fasse des vidéos pendant que je brode, dites-le moi, j'en ferai. En même temps, ça me motivera pour en faire, pour faire de la broderie. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi également. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.